On le somboule. Yon belle victoire pour l'équipe Barcelone nan contre Bayern Munich dans le cadre choc deuxième partie troisième journée Ligue des Champions. Tap tap sin. Voyez l'argent en Haïti by famille ou exami ou pas compliqué. Ou même tap vive l'autre bord de l'eau, téléchargez l'application sur Google Play Store bi App Store ou éligible. Famille ou des amis ou qui en Haïti juste besoin de gagner mon cash élargi sous téléphone ni. C'est 4 débits qu'on a besoin pour faire transaction. Et là, on utilise pour mon code moyen KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, on a gagné $15 sur première transaction. StreamFort TV a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe quand on y est dans le monde là, ou juste besoin de bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre. Ça qui est dans le salon. Relay will be dans le numéro ça, 912-436-0222. 11 de départ, tous les deux équipes. Yo. Bayern te joué avec Manu Neuer dans Caen, Alphonso Davies latéral gauche, Guerreiro latéral droite, Kim Min-jae Upamecano dans Axlan, Kimmich Palinha dans le terrain, gagné un quatuor, Olise Niabri sur les côtés comme attaquant de couloir et puis gagné Müller dans Dokken. Pour équipe Barcelone, gagné Iñaki Peña dans camp. Balde latéral gauche, latéral droite, c'est Jules Koundé, défense centrale Gobercy et puis Inigo, milieu de terrain Casado, Pedri, Fermin, c'était coaching gagnant de la part de Flick et puis Lamine à droite, Lewandowski en pointe, Rafinha à gauche. C'est comme ça équipe FC Barcelone n'a été campé, c'est comme ça Bayern Munich t'est campé. Avant match ça, moi t'ai fait une vidéo où m'étais parlé de points forts et points faibles équipe. Et gagné similitude. C'est deux équipes qui étaient dans un 4-2-3-1 en termes de schéma tactique. C'est deux équipes ultra offensive, Bayern et équipe FC Barcelone. C'est deux équipes qui défendent très haut. Ils ont joué au jeu piège. C'est deux équipes pour défendre contre ils ont pressuré. Ça, cap quitté espace, ils n'ont pas aimé le défendre pendant qu'ils ont fait back. C'est caractéristique de l'équipe. Donc, gain force, gain faiblesse. Barcelone profitait de faiblesse Bayern. Premier goal Matza fait à la première minute de jeu. Et sous photo ça que nous avons gardé, nous constatons que Rafinha lit accélérer, les récupérer ballon en passe, yon passe de Fermin, accélération de Rafinha, li dribler goalkeeper, on a parlé de Manu Neuer, et puis li mette ballon en camp. Qui est-ce qui sous Fermin, sous photo ça, c'est Upamecano. Qui est-ce qui pipré Rafinha, c'est Kimmich sous côté droite là et sous côté gauche là dans rond central là c'est Alphonso Davies et sous côté gauche excentré Alphonso Davies c'est Niabri Kimminjae dans dos Pedri dans propre moitié terrain équipe FC Barcelone là et c'est ça nous avons parlé. On te dit que défense Bayern nan, c'est une défense qui est désorganisée. Point faible Bayern Munich, c'est lenteur défenseur lieu. Repositionnement défensif, repli défensif Bayern, c'est un bagage qui a tué Bayern depuis des années. Eh bien, Barcelone ouvre score, le centre a joué première minute de jeu. Par la suite, Bayern prend l'initiative.
match là, parce que on pas capable de dire goal nan fait contre le coup du jeu, parce que c'est pas Bayern qui t'a dominé, donc son goal qui fait nan première minute de jeu, c'est seconde qui t'a joué. Bayern vin gagner ballon avec Barcelone qui a défendre contre équipe Bayern Munich là, avec cette histoire de monter très haut, jouer hors jeu piège, al tenter jouer hors jeu piège, on passe dans deux défenses équipe FC Barcelone là, Aykin pas hors jeu. Gagné Inaki Peña qui sorti dans pied Aykin, Aykin font mauvais contrôle, Inaki Peña sorti dans pied Aykin. Le Sandam joue 8e minute de jeu. Bayern continue à pressionner Barcelone. Barcelone a des difficultés pour le sortir ballon hein, parce que gagné 6 joueurs Bayern Kalkazerne dans propre défense équipe FC Barcelone là qui obligé Inaki Peña allonger. Donc Bayern t'a dominé équipe FC Barcelone là. Et puis Aykin vient faire un gol tête. Mais tu as une position avancée. Ton deuxième alerte dans le camp équipe FC Barcelone. Et puis, goal Lambralvini, après un renversement sur le côté gauche, un centre de Gnabry et une belle reprise en ciseaux, reprise de volée de la part de Aykin qui pral mettre ballon hors de porte goal qui peut en ciseaux. C'était goal égalisation. C'est un goal égalisation mérité dans le sens que l'équipe Barcelone, après goal là, pas prendre initiative jouet là, Bayern prend initiative jouet là, pressure Barcelone très haut. Eh bien, Bayern mettait danger à la 8e minute de jeu. Inaki Peña sorti soukine, 10e minute de jeu, goal tête de Aykin, position avancée, puis 18e minute de jeu. Barcelone vient prendre goal, c'était une égalisation méritée de la part de Bayern Munich. Après ça, Barcelone vient sortir tête. Vient prendre ballon pour passer pour jouer. Contre équipe Bayern Munich là, parce que pressing à outrance que Bayern t'a fait contre Barcelone là, il pas t'a arrêté pour tout temps dans match football là. Tout de suite après goal égalisation, eh bien Vingé on équilibre côté équipe FC Barcelone là, non souci pour lui gagner ballon, lui jouer ballon, lui sortir. La preuve, gagnons belle action collective pour équipe FC Barcelone là, à la 26e minute de jeu, frappe Robert Lewandowski hein, aller dehors, c'était quand même première situation après et goal que Bayern lui-même l'était fait contre l'équipe FC Barcelone. Le Sand a joué 26e minute de jeu. Et puis, Barcelone pral fait 2-1. On passe de Gubarsi pour Lamine. Lamine bypass là en louche pour Fermin. Fermin fait un petit chicken. Défenseur central sud-coréen Kim Min-jae et pendant l'heure lui-même l'a vini pour le fermer espace là de manière très intelligente Fermin jouer sous joueur qui Pilibla qui c'est Robert Lewandowski et voilà Robert Lewandowski pral mettre ballon en dans filet le centre a joué 36e minute de jeu de manière très intelligente que un acteur Fermin, c'est ça où les dépassements de fonction. Hein? Et pour Fermin Lopez, de manière très intelligente, qui a joué pour Robert Lewandowski, mais il a gagné intelligence tout pour le chicken en rire. Là. Pas de faute. Et football, c'est garçon qui joue ça. Et là, c'est garçon qui a joué. Et donc, garçon, et donc, mettez jam sur garçon. Pas de faute. Et 2-1 pour équipe FC Barcelone, avec un deuxième passe décisive de Fermin. Coaching gagnant hein, de la part de Hans Dieter Flick. Et puis, Barcelone va le faire 3-0, 3-1, pardon, avec un renversement de Casado pour Rafinha. Rafinha est fait crochet, et malgré gagner défenseur central français, n'a pas de Upamecano, eh bien, frappe enroulée. Et de la part de Rafinha, c'était 3-1, mais un super passe de Casado. 3-1 à la mi-temps pour l'équipe FC Barcelone. Il y a une manière pour nous comprendre et qu'on est possession, pas voulu dire que ou pis bon. Et qui côté pour gagner possession? Qui côté pour gagner ballon? Après le premier goal Barcelone fait, Bayern fait
de la deuxième minute de jeu jusqu'à ce qu'ils égalisent, a dominé Barcelone, a monté souvent de Barcelone. La preuve, 8e minute de jeu, Inaki Peña sorti dans pied Ken. 10e minute de jeu, on coupe tête de Ken, mais Ken est en position avancée. 18e minute de jeu, Ken égalisé. Donc, Bayern te gagné en bonne quinzaine de minutes après goal Barcelone fait à côté là. Non seulement la dominé Barcelone, la pressuré Barcelone, Barcelone pas qu'à développer jouer I. Mais par la suite, match là pral équilibré. Non, gado danger, m'a gado danger pendant gade danger avec ballon. Mais Barcelone, joueur de Barcelone était beaucoup plus direct. Il était prend moins de temps dans l'élaboration. La preuve est bien grande sous quand goal Barcelone que n'a expliqué. Barcelone exécuté plus vite. Pas de question à jouer contre Bayern ou obligé durer dans l'élaboration. Eh bien, nous n'avons souci pour nous exécuter très vite, pour nous jouer dans axe défense équipe Bayern Munich là, pour nous jouer sous lenteur bloc défensif Bayern Munich. C'est Barcelone. Bayern des possessions ballon en la première période là, mais Barcelone était beaucoup plus clinique. La preuve en est bien grande. Barcelone était plus but attendu que Bayern. Il mettait 3 ballons dans filière. 3 tirs cadrés pour l'équipe FC Barcelone. En la première période là, malgré 38% de position de balle, Barcelone était beaucoup plus clinique que Bayern. Pendant tout match là, et ceci pendant la première période là, que nous avons parlé de lui là. Maintenant, 3-1 à la mi-temps, pour l'équipe FC Barcelone, avec Lewandowski qui buteur, au passe de Fermin, Rafinha qui double buteur à la mi-temps, c'était l'équipe FC Barcelone. Maintenant, Barcelone vient faire 4-1. 11 minutes après deuxième période de lui-même, il a lagué. La mine sous Golza. C'est là qu'on a parlé de transition. C'est Barcelone qui était dans la situation côté c'est Bayern qui t'a pressuré en récupération. Et puis, passe pour la mine qui fait contrôle orienté pour le mettre dans le vent, joueur qui était dans le là. Et puis, il y a un appel de balle de Rafinha en plein axe. Et puis, BAM! Il frappe pour Rafinha. Il y a un appel de balle là. Rafinha Mandel. Et il baille Rafinha. Contrôle poitrine. Pour le mettre ballon dans le sens cousli. Il bat de vitesse. Bloc défensif. Bayern Munich là. On frappe croisé. Pied gauche rassol, dans un premier temps, je pense que c'est coupable. Mais ballon tellement pris un coin, c'était 4-1 pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone mène 4-1. C'est un Bayern qui est dévasté parce que un Barcelone clinique, un Barcelone qui exécutait très vite. La preuve en est bien grande si nous prenons statistique match ça pendant 90 minutes. Barcelone, c'est 4 tirs cadrés Barcelone qui goal. 4 tirs cadrés, 4 goals. C'est de Barcelone n'a pas dit. En première période, c'est 5 tirs, 3 cadrés. En deuxième période, ça le cadre elle mettait dans le filet. C'est une équipe qui était extrêmement clinique. Qui est chirurgical et yo pas prend temps dans l'élaboration parce que y a joué contre une équipe qui défend très haut, une équipe dans repli et dans réorganisation défensive, le bagay ballon est extrêmement vulnérable et Barcelone attaquer Bayern en plein axe, en plein axe que Barcelone lui-même y attaquer Bayern et n'a pas un match ça la mine quitter l'aile à plusieurs reprises pour rentrer dans la défense là pour le porter supériorité numérique, supériorité technique au niveau du milieu de terrain équipe FC Barcelone là pour jouer sous zone centrale équipe Bayern Munich là, jouer sous lenteur, jouer sous problème de positionnement sous deux défenseurs Bayern Munich qui c'est Upamecano et Kimin Jae. Barcelone exécuté rapide, la preuve
Si nous prenons le premier goal Barcelone fait, pas de question pour nous prendre temps dans l'élaboration. Nous avons exécuté très vite, nous avons sauté sous pressing. Deux, trois touches, nous avons quand le premier goal, c'est comme ça. Quatrième goal, c'est comme ça. Je parle de passe, la mine. Comme Winston dans l'élaboration, joué dans deux défenses Bayern Munich, joué dans deux centrales Bayern Munich, yo, bâton. Si nous prenons par exemple, renversement, côté qui est moins mounant de la part de Cassado, qui a une vision pour renverser le ballon, côté qui est moins mounant, pour mettre arrière latéral droit dans une situation inconfortable face à Rafinha, qui fait crochet intérieur là. Et qui est-ce qui est en retard? C'est central équipe Bayern Munich là qui est en retard. C'est Barcelone. Et puis, sous prend deuxième goal là, passe la mine pour Fermin Lopez qui joue sous central Bayern Munich là, stopper gauche Bayern Munich là, n'a pas parlé de Kimin Jae. Donc c'était un plan qui était clair. N'a pas joué rapide, n'a pas joué sous vitesse d'exécution, non, n'a pas joué sous transition rapide, comme moi c'est en élaboration, et joué sous central Bayern Munich qui a un problème de positionnement, qui a un problème de repositionnement, repli défensif et qui est extrêmement lent. Mais 4 goals Barcelone. Malgré Bayern fait 4 changements, 65 minutes de jeu, ça montre que c'était un entraîneur qui n'avait. Retirer Olivier, rentrer Sané, retirer Müller, rentrer Musiala, retirer Gnabry, rentrer Coman, retirer Palinha, rentrer Goretzka. Ou te vin jouer Barcelone qui décide excellent comme équipe en défense pour le Kébé avance 3 goals là. Jules Koundé extraordinaire, Pedri dans la récupération, Rafinha a retourné, Balde a retourné. Moun qui était moins concerné, c'est la mine qui, par moment, t'a quitté, on était avec Jules Koundé et pour contre lui, mais Jules Koundé, c'est un excellent défenseur. Côté ou qu'a quitté Jules Koundé pour contre lui, mais ou pas pour quitter Balde pour contre lui, Rafinha fait job là. Gen Pedri, t'a aidé, Cassado a aidé. C'était une équipe très collective, Léopard de ballon. Seul moment que Barcelone subit en domination écrasante de Bayern, c'est après goal là. Après goal que Barcelone fait. Ça veut dire 15 minutes après que Barcelone lui-même lui fait goal, c'était une équipe qui a subi en domination de Bayern. Mais après ça, Bayern pas de jambes dans temps fort. Après ça, Bayern pas de jambes dans temps fort contre l'équipe FC Barcelone dans le match football ça. Après 15 minutes, ça, moi parler là, le Barcelone fin fait goal première minute de jeu. Et puis Bayern décide caser dans la propre moitié de terrain équipe FC Barcelone. Ina qui sorti et son action 8e minute de jeu en pied. Ken fait un goal qui est au jeu. 18e minute de jeu, Ken vient égaliser. C'était temps fort Bayern. Après ça, on va parler du temps fort, non? Pour Bayern. C'est un Barcelone qui bat un match facile. Tactiquement, intelligemment, Barcelone bat un match très facile. Barcelone rend un match facile tactiquement pour lui parce que nous jouons contre Bayern, qui a beaucoup plus de maîtrise technique. Eh bien, nous-mêmes, nous jouons sous force collective, nous, qui c'est le nous récupérer, exécuter rapide, prendre moins de temps d'élaboration dans la construction. Jouer dans deux défenses Bayern, jouer dans deux centrales Bayern. Mais victoire, nous dédie ça. Nous dédie que l'équipe a des caractéristiques qui sont similaires. Mais me dit que en termes de vulnérabilité, Bayern plus vulnérable que Barcelone parce que vitesse défenseur Barcelone gagne, vitesse joueur Barcelone gagne, dans repli défensif, dans réorganisation défensive, Bayern pas gagne. Et deux centrales Bayern Munich yo sous un goal yo, c'est sous yo. Premier goal là. Côté Kimin Jae, côté Upamecano. Deuxième goal là, qui c'est goal Lewandowski, c'est sous Kimin Jae, ils font mauvaise intervention. Jouent dans deux défenses là. Quatrième goal là, qui c'est goal Rafinha, renversement de la mine. Non axe encore.
Donc, c'était quand même une équipe Barcelone qui était extraordinaire. Et m'a fait nous connaître que deux derniers goals Barcelone y ont semblé. Et Casado pour Rafinha dans fin première période là. Lamine pour Rafinha dans fin première période là. Dans 56e minute de jeu. Barcelone était capable de faire plus que ça. Gagne un passe Olmo qui rentre dans la deuxième période. On passe Olmo Baye ou Lamine qui contrôle, frappe deux balles, qui contre. 83e minute de jeu, Lamine pour Robert Lewandowski qui anti louche. Lewandowski qui pas arrivé à couper ballon hein, pour le faire et 5 balles à 1. Donc, c'est un Barcelone qui dominait Bayern tactiquement malgré le pas de possession. La preuve est bien grande. Barcelone fait plus tir. Plus tir cadré dans le match et football ça. C'est de ça n'a pas parlé. Pendant Bayern gagne 61% de position de balle, les jeunes 5 corner, Barcelone jeune 5 corner. Barcelone gagne 39% de position de balle, il fait 12 shoots dans 4 cadré. 4 goals. Ballon Bayern n'a pas utile en rien, ça fait nous pas capable parler que Bayern t'a dominé Barcelone. C'est Barcelone qui dominait Bayern dans le jeu tactiquement. Bayern mon seul moment en fort, c'est le vin fait goal là. Après goal Barcelone fait là, Barcelone pas de gain en fort, Bayern gagne ballon t'a dominé en domination à outrance pour Bayern. Mais après ça, pas de gain cette histoire de temps fort.